Vous êtes cinglé ou quoi? C'était quoi ce saut? Vous voulez mourir? Allez, on l'embarque. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft et aujourd'hui un niveau très particulier, le quartier haute sécurité. Avant d'en parler, j'aimerais revenir juste quelques instants sur l'un des ennemis que nous avons croisé dans le niveau précédent, qu'on a tué, vous aviez raison de le signaler, vraiment de manière un peu aléatoire. Hein, ce sont des travailleurs que nous avons donc pris pour cible, mais en même temps ils nous attaquaient eux-mêmes. Hein. Qu'on se défend, hein, c'est un peu normal. Ces travailleurs portaient tous des vestes en jean avec un logo. Alors j'ai fini par trouver une réponse à ce mystérieux logo. Il s'agit en fait d'une référence à un autre jeu vidéo, c'est génial ça. C'est une référence aux ennemis que l'on croise dans Doom, baptisés les Lost Souls. Voilà pour la petite info très sympathique. Alors nous débutons ce niveau en cellule. Lara a été attrapée la dernière fois par des policiers militaires. Ils nous ont privés de toutes nos armes et de toutes nos munitions. Il ne reste que les 50 cristaux de sauvegarde que j'avais conservés et une petite trousse de secours sur la cinquantaine et quelques que j'avais dans mon sac à dos. C'est une horreur. Heureusement, nous avons toujours nos artefacts. Curieusement, ils ne les ont pas pris. La pierre Infada, la dague d'Aura, c'est une erreur hein, de lire objet 115, c'est la dague d'Aura, le fameux logo de la chaîne d'ailleurs. Et puis l'œil d'Isis, voilà. Nous avons encore l'objet 115 à trouver dans cette base en réalité. Hein. Voilà, je vous ai tout dit, tout est perdu, définitivement, j'insiste là-dessus. Et oui, Paradiski, je sais que ça t'avait mis en colère lorsque tu as découvert ce niveau. Et pourtant, ben oui, on doit passer par là. Alors, sans toutes nos munitions, comment allons-nous nous débrouiller pour venir à bout de tous les ennemis à suivre? Eh bien, il y a une astuce, évidemment. Alors ici, d'abord, donner l'alerte en traversant ces détecteurs de présence. Hein. Ce sont des faisceaux qui détectent la présence humaine. Et courez libérer les prisonniers un par un. Attention à ne pas prendre de coups de matraque, par contre. Voilà, je m'évade. Je vais essayer de faire tuer ce prisonnier. Enfin, ce prisonnier, non, je ne veux pas que le prisonnier meure. Surtout pas. Pendant ce temps-là, on va libérer celui-ci. Ça va, c'est le militaire qui est mort. Il m'est arrivé que les policiers militaires meurent aussi. Hein. Mais si vous avez du mal avec ça, eh bien vous libérez tout le monde dès le départ. Comme ça, il est à peu près certain que les différents prisonniers tueront le garde. Un seul garde pour tous ces prisonniers dans cette zone, c'est curieux, mais c'est comme ça. Alors nous sommes dans l'aile C, Bay C, comme vous le voyez sur les murs. Il y a plusieurs ailes à visiter, la C, la D, la E, et puis la X. Ah oui, on terminera par du X. Et pour sortir de prison, c'est la seule cellule qui vous intéresse après avoir libéré tout le monde. La voici, je veux juste m'assurer d'avoir bien ouvert une porte. Ah tiens, j'ai pas pensé à regarder là-bas à l'autre bout. Oui, c'est bon. Voilà, tous les prisonniers sont libres. Hein. Y a pas de problème. Ouais, c'est bon. Ils sont tous là. Voilà. Et nous arrivons ici, devant cette caisse que je vais pousser, avec une mystérieuse inscription. MJ12. MJ12, eh bien, j'ai trouvé la réponse. C'est intéressant, là aussi. Hein. Ça me permet de vous faire un peu d'histoire, un peu de vous donner quelques références supplémentaires. Ça vient de l'expression Majestic 12, qui provient elle-même de la contraction Magic Eyes Only, signifiant top secret, aussi connu sous différents noms. Ce serait le nom de code, et je parle bien au conditionnel, ce serait le nom de code d'un groupe secret formé de scientifiques, de chefs militaires et de différents gouvernements, formé soi-disant en 1947 sur l'ordre du président des États-Unis, Harry Truman. Alors depuis, certains ont démenti, disent que c'est la théorie du complot qui a créé cette légende, puisqu'on décrit ce groupe comme spécialisé dans l'étude d'indices d'activité extraterrestre et autour de la présence d'OVNI. Cette affaire s'est développée à l'époque où on parlait du cas Roswell au Nouveau-Mexique. Hein. Voilà pourquoi cette histoire a laissé des traces. Bien, j'ai libéré l'espace ici, vous l'avez vu, et je vais prendre cette autre caisse MJ12. Pour libérer un secret, car on va pouvoir faire le tour par la petite par le petit passage surbaissé que j'ai utilisé pour venir ici. On va pouvoir faire le tour et revenir derrière la caisse, car souvent dans Tomb Raider, il faut s'assurer qu'une caisse que nous avons poussée dans un recoin ne cache pas quelque chose derrière elle. Et c'est le cas ici.
pour notre plus grand plaisir. Le premier secret, on a intérêt à ne négliger aucun objet dans ce niveau et dans les autres à suivre, puisque nous avons décidé de terminer avec votre complicité lors du vote par le Nevada. Alors qu'en réalité, il faudrait plutôt faire le Nevada après l'Inde, hein, je vous l'ai déjà expliqué, puisqu'on perd toutes nos armes et qu'il va falloir les récupérer. Alors là, je n'arrive pas à me suspendre au plafond. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Hein. Il va falloir essayer de récupérer tout ce qu'on pourra. Je viens de passer par-dessus des barbelés. Je suis passé sur la droite pour les éviter. Car si vous passez sur la gauche ou au centre, vous risquez de vous blesser en les traversant. Donc, sur la droite, on ne risque rien. Ici, des trappes au sol. Et un petit peu plus loin, cet interrupteur, ce levier qui va permettre à Lara d'ouvrir la fameuse trappe là. C'est ces deux trappes qui se trouvent juste avant. Nous les rejoignons. Il y a une échelle qui donne accès à des galeries d'aération, j'ai l'impression, hein, des tuyauteries d'aération, comme vous allez le voir ici. Alors, pas de torche, nous n'avons plus de torche, ce qui fait que je ne peux pas éclairer le chemin ici et vous allez comprendre que ça peut vous jouer des tours. Ici, par exemple, il y a une trappe qui va s'ouvrir dès que vous allez passer par-dessus. Alors, sautez par-dessus, ne vous laissez pas tomber, car sinon vous allez vous retrouver nez à nez avec un policier militaire. Allez plutôt directement vers cette autre trappe. On va se mettre comme ça, d'ailleurs. Voilà. Cette autre trappe qui vous permet de rejoindre ce poste de contrôle de la sécurité, où je vais ouvrir, avec ce levier, le portail qui nous ramènerait vers les prisons, vers les cellules de prison. Ce qui va occuper nos amis libérés depuis tout à l'heure, hein, tous les prisonniers que nous avons libérés, qui vont arriver, qui vont prendre en charge, pour nous, le policier militaire qui est en train de nous rejoindre. Alors si vous ne faites pas ça très vite, eh bien le policier militaire qui a été attiré par le bruit de la trappe que vous avez faite s'ouvrir tout à l'heure, la première trappe que j'ai évitée, hein, si vous ne faites pas vite, donc il va ensuite s'intéresser à votre cas et viendra vous éliminer à coups de pistolet, puisqu'il est armé celui-ci. Heureusement, les prisonniers donc ont réussi à s'en occuper, à l'éliminer, et nous pouvons récupérer ce qu'il a laissé tomber, à savoir ce passe, cette carte de sécurité, et puis des cartouches, et je crois qu'il y a aussi une petite trousse de secours, je ne sais plus, voyons voir. Oui, aussi une petite trousse de secours. Nous avons récupéré tout ça. Ici, eh bien, la carte d'accès. Derrière nous, ce sont les cellules de prison, hein, puisque nous venons de les ouvrir. Et ce nouveau portail va nous permettre d'accéder non seulement au réfectoire, au mess, mais aussi, non pas à cette porte, puisqu'elle reste fermée pour l'instant, mais aussi aux toilettes. Bah voilà. Alors, nous allons dans les toilettes. Pour une bonne raison, c'est qu'il faut trouver un moyen de s'évader, hein, et on va le trouver, rassurez-vous. Alors ici, on ouvre des portes. Puisqu'après les toilettes, nous atteignons une sorte de réserve dans laquelle nous allons trouver ces nouvelles caisses MJ-12, dont une seule peut être déplacée par Lara. Le but est de sortir par l'ouverture que je vous montre au coin du plafond là-haut. Une ouverture qui pour l'instant est trop élevée pour que Lara puisse s'y glisser. Alors le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'en sortir, c'est d'inonder la zone. Je suis en train de tirer cette caisse afin de rejoindre une autre ouverture au plafond à l'opposé de la salle. Ouverture donc qui va me donner accès au contrôle de l'eau. Et on va inonder la zone vraiment. Hein. Lara est assez incroyable. La caisse, la seule caisse qui se manipule, hein, je vous l'ai dit, c'est celle-ci. L'autre ne vous sert à rien, elle sert d'obstacle ici. Et c'est un petit casse-tête qui nous rappelle un casse-tête qu'on avait vécu dans Tomb Raider 2 déjà, à bord du bateau, hein, du Maria Doria. Voilà, je fais le tour. Et cette fois-ci, je vais passer par-dessus la caisse pour la tirer vers moi, au-dessous de l'ouverture. Juste en dessous, parce que l'ouverture est juste derrière Lara. Et là aussi, elle est bien trop élevée pour qu'elle puisse imaginer y monter comme ça. D'un simple saut. On l'aperçoit au plafond. Là, voilà. Voilà, la caisse est en place. Je me précipite à l'intérieur de ce faux plafond. Vous allez apercevoir une conduite d'eau. Eh bien, on va passer par-dessus. Il faut arriver à passer comme ça, voilà. Avec un peu d'espace pour ne pas se cogner dans le tuyau. Et regardez ce bel interrupteur que voilà. Voilà, nous avons inondé, ça y est.
la zone. Ce qui fait que nous nageons dans une eau plutôt nauséabonde et dégueulasse. Hein. Voilà, je vous l'avais fait remarquer déjà sur PC. On sort très vite ici, donc on va pas rester dans cette eau et on va tout de suite vers les cuisines. Alors le problème, regardez, ces bouches d'aération nous amènent vers les cuisines, c'est que bah, les brûleurs sont activés, le repas des prisonniers est en train de cuire. Alors pour ne pas finir en flammes, on va devoir couper le gaz. Bah, le gaz, heureusement nous avons accès à la vanne. La vanne en question se trouve derrière une porte que vous avez peut-être vue lorsque j'ai traversé les couloirs qui menaient au réfectoire et aux toilettes. Hop. Et nous arrivons près de cette porte. Voilà cette porte que je vais ouvrir. Ça ne sert à rien de l'ouvrir, je le précise. Mais pour le principe, on va l'ouvrir. Voilà. Cette porte donc qui amène vers cette vanne qui contrôle le gaz. Après l'eau, le gaz. Hein. On aura l'occasion de couper d'autres choses aussi. L'électricité peut-être, je ne sais pas. Ont-ils payé la facture ? Apparemment oui, puisque tout fonctionne. Voilà, j'ai coupé le gaz, je vais pouvoir descendre dans les cuisines. C'est mon but, évidemment. Attention à ne pas tomber dans ces fosses remplies de barbelés. C'est une mort immédiate ici, si vous faites une chute. Hein. Vous pouvez simplement les traverser en marchant. Et lorsque vous tombez dans les barbelés, vous mourrez irrémédiablement. Bon, l'ouverture qui vous donne vers les cuisines est ici, voilà, dans l'ombre. Et nous atterrissons près de ces plats et casseroles gigantesques. En avez-vous vu déjà de pareils ? Une petite trousse de secours nous est offerte sur le comptoir. On note l'existence d'un cristal là-bas, mais il est inaccessible à cause des pales de ce grand ventilo. On laisse tomber pour l'instant, nous reviendrons évidemment nous en occuper. Ça va être notre but à présent. Ici, un interrupteur et une porte avec derrière un garde. Surtout, n'ouvrez pas la porte au garde tout de suite. Faites plutôt venir les prisonniers vers vous. Alors pour les faire venir, il n'y a pas trop de moyens, mais on va essayer d'attirer leur attention. Alors cette porte, on va l'ouvrir et aussitôt déguerpir. Je quitte le réfectoire avec plein de taches dans les murs, on l'a remarqué. Regardez là-haut, il y a dû y avoir du grabuge ici à plusieurs reprises. Et le policier militaire va mourir, voilà, ça y est, il est mort. Sous les coups des prisonniers, il vous donne une petite trousse de secours, récupérez-la. Il ne donne rien d'autre. Vous avez maintenant le champ libre. On peut même courir sur les tables, c'est un bonheur. J'ai jamais pu faire ça à l'époque dans le réfectoire de mes établissements scolaires, donc je me rattrape. Nous arrivons dans le poste de sécurité que gardait ce policier militaire. Et là, je marche dans les casseroles sans me poser de questions, hein, c'est tout à fait la race. Alors attention aux pales, ici je regarde bien où je mets les pieds, parce que si vous touchez ne serait-ce qu'un seul instant les pales, c'est une blessure terrible qui vous attend, voilà. Soyez très prudent, ramassez le cristal et laissez-vous glisser, sautez, accrochez-vous à cette faille. Ne lâchez rien, parce que si vous lâchez, vous allez glisser ici. Lâchez la rame, puis sautez aussitôt, parce que c'est une pente, pour atterrir sur cette autre pente qui vous permet de vous tenir debout. Voilà, c'est dit, et appréciez. Je vous laisse apprécier les musiques et la situation. Ici, Lara se retrouve enfermée en dessous de cette grille. Et bien regardez, curieusement, ce prisonnier peut utiliser le système d'empreintes digitales, hein, de capteurs d'empreintes digitales. Comment fait-il ? Je me suis posé la question, a-t-il volé et a-t-il coupé la main d'un des policiers militaires pour la placer sur le détecteur d'empreintes digitales ? Je ne sais pas. Sur le lecteur d'empreintes digitales, on doit appeler ça comme ça sans doute. En tout cas, c'est curieux qu'un prisonnier ait accès à ce détecteur, évidemment, ce serait surprenant. Bon, il nous a aidés, je lui propose de venir dans mon manoir, voilà. Et ça lui dit. Et nous atteignons l'aile E. Vous voyez sur les murs, hein, Bay-E. Bay-E, ça se dit comme ça. Et une petite trousse de secours gentiment offerte.
que je ramasse et je regarde là-haut. Vous avez remarqué, il y a pas mal de musique dans ce niveau, c'est ça qui est bien. Et appréciez aussi le fait que les musiques se déclenchent à plusieurs reprises. Ce policier là-haut, eh bien, nous allons attendre qu'il revienne. Quand il a fait un tour vers la droite et qu'il revient, vous pouvez courir, vous passerez derrière lui, il ne vous verra pas, il ne vous entendra pas non plus. Traversez ensuite ici, vous noterez l'existence d'un lecteur de cartes, et un peu plus loin ici, la présence de ces faisceaux qui détectent la présence humaine, et là-haut de d'une tourelle automatique. Cette tourelle va vous tirer dessus si vous traversez les faisceaux. Donc pour l'instant, eh bien on reste prudent. Et nous allons aller vers d'autres cellules. Je devrais même dire une autre cellule qui se trouve ici pour libérer le prisonnier qui est à l'intérieur. La grille là-bas au fond ne vous permet simplement, de voir une antenne parabolique qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc nous avons traversé l'aile C où nous étions emprisonnés, l'aile D avec son réfectoire et ses toilettes, et nous voici dans l'aile E de ce bâtiment. Ah, Lara n'a pas voulu. Ça lui arrive. Alors nous avons libéré ce prisonnier pour une bonne raison, c'est qu'il va éliminer le garde que nous avons évité il y a quelques minutes. Le problème, c'est que si le garde le tue au prisonnier, ben nous ne pourrons pas nous en sortir. Ça ne m'est pas arrivé, je crois pas, hein, je ne sais pas. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ah, j'ai vu du sang. J'ai vu du sang dans l'ombre ici. On voit pas grand chose, mais je ramasse en fait un pass de sécurité. Je ne sais pas s'il y a autre chose dans les objets que je viens de ramasser. Tiens, je vais regarder. Tandis que je remercie ce prisonnier en lui tapant dans le dos. Carte de sécurité B, voilà. Alors quand vous ramassez cette carte de sécurité B, je regarde dans la solution que j'ai sous les yeux. Est-ce que nous avons un autre objet? Je ne voyais rien, donc je n'ai pas pu m'en rendre compte. Non, c'est tout. Hein, c'est tout ce que nous avons trouvé. Je viens d'ouvrir avec cette carte un accès à ce poste de sécurité dans lequel nous trouvons une grande trousse de secours. Enfin, la première, je crois, que nous trouvons est des munitions Uzi. Il y a aussi ce bouton, cet interrupteur, qui va permettre à Lara de désactiver les faisceaux détectant la présence humaine qui aurait déclenché la tourelle. Maintenant, nous pouvons passer sous la tourelle sans aucun risque. Regardez, salut la tourelle. Alors, les tourelles sont considérées comme des ennemis. Si vous voulez tous les kills, là, je ne pourrais pas le faire, sinon je vais perdre trop d'énergie. Mais si vous voulez tous les kills, il vous suffit de tirer avec le Desert Eagle 4 fois, je crois, 3 ou 4 fois sur la tourelle. Attention à ne pas être vu du militaire là-bas. S'il vous voit, c'est pas grave. Vous voyez, je peux ramper. L'idéal ici, c'est de faire comme dans Metal Gear Solid, hein, c'est prévu pour, de ramper afin que l'homme ne vous voit pas. Mais bon, là, il ne nous avait pas vu de toute manière. S'il vous voit, vous vous dépêchez de courir ici. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de hauteur. Non, il n'y a pas beaucoup de hauteur, on peut descendre sans crainte, je suis bête. Pour aller libérer un autre prisonnier. Même deux autres prisonniers, curieusement enfermés dans la même cellule. On a des privilèges en prison comme ça, ça m'étonnerait. Hein. Salut les gars. Allez, vous étiez bien en train de vous amuser, mais maintenant, il faut m'aider, hein. Voilà, aidez-moi. J'ai besoin de m'en sortir face à ce méchant policier militaire qui m'empêche d'accéder à ce hangar que vous voyez là-bas. Son compte va être vite réglé. Attention, il y a aussi une tourelle là-haut. Hein. Donc si jamais vous traversez les faisceaux laser et que vous évitez la première tourelle, hein, vous serez aussitôt la cible de celle-ci. Et histoire de nous amuser, alors on ramasse ici un pass de sécurité qui va nous servir évidemment. Mais histoire de nous amuser, je vous propose de tourner autour de cette chose. Vous voyez, hop, ça doit être une arme de défense, ça. Ça m'a toujours fait plaisir de voir qu'elle se mettait à bouger, à réagir à notre présence. Voici le pass de sécurité jaune. Ça y est, nous l'avons. Nous avons ramassé aussi, d'ailleurs, je regardais sur la solution car je ne voyais rien là encore une fois. Nous avons ramassé des torches, enfin. Regardez ici. Alors, parlons de ce que nous voyons quand même, hein. Il s'agit d'un avion d'attaque au sol que nous voyons là. C'est le F-117 Nighthawk, le Lockheed Martin F-117 Nighthawk. Cet avion a été conçu dans les années 70, c'est le premier avion militaire au monde étudié dès le départ pour avoir la signature la plus réduite possible. Il a été retiré très récemment du service en 2008, alors ses formes inhabituelles et le secret qui a entouré sa conception
a fait que beaucoup de gens ont cru voir un ovni dans le ciel à l'époque. Donc on reste toujours dans cette idée d'ovni, d'extraterrestre dont je parlais tout à l'heure avec le fameux MJ-12. Et nous aurons bien d'autres raisons encore de parler des extraterrestres, je vous l'avais déjà dit il y a peu. Bon, maintenant, je vais utiliser mon premier cristal de sauvegarde ici, parce qu'il y a une épreuve que je rate parfois et je n'aimerais pas avoir à tout recommencer. Voilà, premier cristal. Et nous allons pouvoir faire face à un militaire armé, regardez. Je marche là-haut et lui est en bas. On ne descend pas directement ici dans cette salle, sinon c'est la confrontation directe et ça ne réussit pas trop à Lara, je vous le dis. Donc il faut se faufiler dans cette conduite. Voilà, on reste discret. Hein. Je reste discret, je ne voudrais pas qu'il repère ma présence. Je ne crois pas qu'il me voit à travers les vitres, mais je préfère éviter la chose. Et là, on va ramper derrière ce comptoir afin qu'il ne nous voit pas. L'idée est de se redresser ici, juste près de ce levier, et quand l'homme traverse, le tuer. Je l'ai eu du premier coup, je suis très content. Bon, maintenant, par contre, à nous de ne pas mourir en traversant ce vilain faisceau laser. Ne suivez pas mon conseil, enfin ne suivez pas mes actions, suivez plutôt mon conseil. Je vous retrouve tout de suite à l'endroit où nous avons sauvegardé, évidemment. Nous revoici près de cet avion. Allez, tentons une nouvelle fois d'avoir cet ennemi et surtout de traverser le faisceau rouge. Mortel, hein, je vous l'ai dit, il est mortel. Donc, si vous voulez vous en sortir, il ne faut pas faire comme moi, vous prendre les pieds dedans. Ça peut faire mal. Allez, on va voir si le militaire nous voit. Voilà, vous voyez, il n'a pas poussé de cri, ça veut dire qu'il ne nous a pas vu. Donc je joue la discrétion, je joue l'infiltration. À l'époque, Metal Gear Solid avait pas mal inspiré les autres créateurs de jeux, hein, puisque le fameux premier épisode, je crois, venait de sortir. Hein, il a eu pas mal de succès. Ah, non, il était passé là, j'étais trop rapide. On va le laisser revenir, tout simplement. Vous l'activez quand il arrive dans le recoin ici. Voilà, là c'est bon. C'est pas bon. C'était pas bon. J'ai vraiment pas de chance. Alors il faut faire dès qu'il atteint le recoin en fait. Je vais recommencer. Là, maintenant, quand il tourne. Voilà, quand il tourne, comme vous l'avez vu, ça passe. Sinon, ça casse. Bien! Je passe ce faisceau laser, voilà, comme ça. Il fallait pas appuyer sur action, c'est la bêtise que j'ai faite tout à l'heure. Le fait d'appuyer sur action, Lara s'est emmêlé les pinceaux et est tombée dans le faisceau laser. Je vous fais remarquer cette porte verte, là, porte qui est fermée. Vous l'avez vue? Bon, très bien. Vous la reverrez, évidemment. Et là, ici, eh bien, nous sommes au pied d'une grande, grande parabole perchée sur le toit de cet édifice. Cette grande parabole, pour l'instant, nous empêche d'accéder à un lieu qui nous intéresse. Alors, pour y accéder, eh bien, nous allons devoir... On va passer par là en bas, voilà, on va devoir s'infiltrer ici. Il y a une technique qui vous fait perdre énormément d'énergie, je ne pourrais pas l'utiliser si je compte terminer ce niveau sans trousse de secours. Mais il y a une technique qui veut que vous puissiez tomber tout en bas, et qui vous évite de passer par les chemins que je suis en train d'emprunter. Bon, ça ne raccourcit pas énormément le jeu, c'est pour ça que je n'insiste pas là-dessus. Nous continuons à monter, voilà, pour atteindre une salle que voici. À l'intérieur, ce bouton poussoir. J'appuie dessus. La parabole se déplace, libérant une ouverture. C'est ce qui nous intéresse. Porte verte, enfin verte, c'est un vert un peu pâle, vous me direz, mais c'est une porte, voilà, celle que je vous ai faite remarquer tout à l'heure, que j'ouvre, et nous atterrissons à nouveau dans ce corridor. Donc ne revenez pas en arrière, sinon vous allez retrouver le garde mort et le faisceau laser rouge. Montez directement sur le toit, ici, pour atteindre la parabole. Attention à ne pas descendre de ce côté-ci, si vous voulez survivre, descendez plutôt de ce côté-là, au pied de la parabole, par exemple, ce sera le repère. Sinon, vous allez être aspiré et entraîné dans le trou là-bas au fond. Moi, je ne veux pas y aller.
Votre mission ici, nager contre le courant. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à avancer. Il vaut mieux rester allongé comme ça. Disons, être à l'horizontale pour pouvoir avancer. Si vous vous mettez à la verticale pour remonter, vous n'y arriverez pas. Et là, on va éclairer. Hein. C'est l'une des rares torches que je vais utiliser dans ces niveaux. Hop là. Puisque maintenant, nous en avons, hein, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Puisqu'ici, il s'agit d'atteindre ces petits rebords triangulaires. Tel celui-ci. Pour pouvoir sauter sur certains rebords tels celui-là. Voilà, maintenant on va aller dans cette ouverture où on aperçoit des circuits imprimés. Et je rampe. Voilà, je vais me retrouver dans un corridor. Au bout duquel il y a un interrupteur. Cet interrupteur est à l'autre bout, hein. Il faut aller vraiment loin ici, voilà. L'interrupteur que voilà permet d'ouvrir la porte qui se trouve derrière cette grille. C'est pas la grille qui s'ouvre, hein, non, ça serait trop facile. Donc voilà, c'est très pratique, hein, l'univers de Tomb Raider. Moi, je porterai plainte contre ceux qui ont conçu le système électrique de ce lieu, c'est aberrant. Bon, nous devons revenir, donc, retomber dans l'eau pour pouvoir traverser cette porte. Alors, je vous le disais, ne tombez pas au milieu dans l'eau en vous laissant tomber... tout de suite de la plateforme où se trouve l'antenne parabolique. Sinon, vous allez être aspiré dans le trou où se trouve un cristal et vous ne pourrez plus remonter. Vous allez mourir dans les pales... Dans des pales, voilà. Une sorte de grand ventilateur géant. Là, j'ai pris une ouverture dans le fond de ce bassin qui m'a conduit dans cette canalisation et vous le voyez, je ramasse une petite trousse de secours. Ici, on va être très prudent parce qu'il y a un policier militaire dans les parages. Hop, je vais avancer puisqu'il a le dos tourné. Et je vais courir ici. Je ne referme pas cette porte. Je pourrais la refermer pour me protéger des tirs de l'homme. Mais comme il ne m'a pas vu, ça m'arrange. Je gagne du temps. Ici, dans la zone où nous sommes, il y a un... réceptacle pour un pass de sécurité que je n'ai pas encore et que je vais aller chercher. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai laissé la porte ouverte, c'est important. Ça vous permet de gagner du temps. Voilà, mais si vraiment vous devez vous protéger de l'homme, comme je voulais le faire au cas où il m'aurait repéré, là il aurait fallu la fermer. Mais on aurait perdu du temps par la suite, vous comprendrez. Alors, là je suis en train d'aller chercher un pass de sécurité jaune pour revenir dans la petite salle où il y a l'échelle que je viens d'emprunter et où se trouve le réceptacle. Ah oui, alors ici, on va être un peu discret quand même, parce qu'il y a un militaire, là, qui ne nous voit pas puisqu'il surveille une porte. Sans doute s'attend-il à ce que nous arrivions de l'autre côté, bah non, c'est pas là-bas que nous allons arriver. Et je vais me faufiler à l'intérieur de cette conduite pleine de circuits imprimés, c'est curieux. Au bout de laquelle il y a un pass de sécurité jaune, encore un. Ils sont tous jaunes, sauf un qui sera bleu tout à l'heure. Voilà, je recule pour redescendre et là je vais devoir être très discret, hein, encore une fois, pour ne pas être vu de cet homme que je tiens à vous faire remarquer. Hein. Vous notez bien son existence, cet homme qui est de dos. Voilà, ce sera notre repère. Si vous vous mettez à courir ici, vous avez des chances d'être vu. Voilà, on peut courir maintenant, je pense. Allez, je me laisse retomber en bas de cette échelle. Je fais à nouveau le tour. Alors, cette zone dans laquelle nous sommes nous permet de replonger directement dans le bassin, mais tel n'est pas mon objectif. Pour l'instant, je vais aller utiliser le pass jaune, là en bas, dans la petite pièce de sécurité. Voilà, on l'utilise tout au bout, ici. Et nous allons repartir par un autre chemin pour éviter le garde. Eh oui, ça va de soi. On n'a pas trop envie. Regardez ce qui se passe. Ça a fermé la zone où se trouvaient les pales qui nous auraient tués si nous étions tombés maladroitement depuis la grande antenne parabolique. Nous allons maintenant pouvoir plonger dans le bassin et aller chercher ce cristal.
Est-ce que j'ai besoin de vous éclairer ici? Non, pas vraiment, donc ça va rester comme c'est. Je crois qu'il n'y a rien. Oh, je vais quand même éclairer, je ne sais plus. Il y a des choses ici? Non, il n'y a rien. Voilà. Ça ne servait à rien, finalement, d'éclairer. Bon. Allez, hop, dans l'eau. Et maintenant, nous pouvons aller au centre. Bon, c'est ici qu'il faut éviter de tomber à tout prix lorsque vous arrivez dans cette zone. Si vous vous retrouvez directement là sans avoir fermé ce passage, vous allez être pris dans les pales. Vous ne pourrez pas remonter, c'est impossible, ni avancer dans cette canalisation. Notez qu'il faut ici avoir une bonne apnée pour traverser cette grande conduite. Où nous allons trouver tour à tour des torches, les voici. Et une petite trousse de secours un peu plus loin. En plus de ça, il faut ouvrir cette vanne. Vous voyez, on perd pas mal de temps dans cette conduite. Ce qui veut dire que on peut manquer d'air. Ce que je préfère faire, moi, vous voyez, c'est remonter pour trouver de l'air. Redescendre, chercher la trousse de secours. C'est beaucoup plus sage que de se précipiter vers la trousse et se retrouver sans oxygène. Ok, voilà, nous y sommes. Et maintenant, autre épreuve pour Lara, passer par-dessus ces lasers qui peuvent la blesser, hein, ou la tuer carrément, ça dépend. Mais là, on aurait pu être blessé. Et nous allons bientôt approcher de la fin du niveau, mais ça n'est pas encore fini pour Lara. Il y a beaucoup à faire. Particularité dans cette base, on a la curieuse habitude de faire tremper les circuits imprimés dans de l'eau, presque. Hein. En tout cas, ils sont limite en train de toucher l'eau. Avez-vous déjà vu ça chez vous? Non mais... La logique tomberait de resque. En face de nous, un homme. On va le saluer. Un bisou, voilà. Allez, suis-moi. Il va nous montrer le chemin, il est gentil comme tout. Je crois que lui aussi, on va l'inviter dans notre manoir. Allez. Il est vraiment gentil. Quelle image suis-je en train de donner à Lara? Vous voyez, il nous montre le chemin, vraiment, hein, donc on le suit. Alors on dirait qu'ils toussent lorsqu'ils font des efforts, c'est ça qui est curieux, le bruitage n'était pas très bien choisi. Nous arrivons devant cet interrupteur, hein, il nous a montré qu'il y avait des choses à faire ici. Interrupteur qui ouvre une porte, et regardez, quel bonheur de retrouver nos pistolets, vous les voyez en face ici. Ah, les pistolets de Lara, et là, carrément, le Desert Eagle et des munitions supplémentaires pour le Desert Eagle. Cette arme-là vous sera d'un grand secours si vous voulez avancer aisément dans ce niveau. Ici, je vais devoir revenir en arrière. Alors attention à ne pas passer à travers ces faisceaux qui viennent de s'allumer dès l'instant où j'ai réussi à récupérer les armes. Car au-dessus de notre tête, là, il y a une tourelle. Il y a aussi un homme un peu plus haut, mais il ne nous voit pas pour l'instant. Il y a surtout cette tourelle. Alors si vous voulez, vous pouvez la détruire, ça vous fera des kills supplémentaires avec le Desert Eagle. Je vous ai dit 3 ou 4 coups, hein, ça suffit en général. Pour l'instant, moi je repars en arrière. Pourquoi est-ce que je repars en arrière? Eh bien parce que si vous voulez le deuxième secret de ce niveau, il n'y en a que deux ici. Il vous faut revenir en arrière vers cet homme qui était de dos. Vous vous souvenez? Je vous ai dit de le repérer, de le remarquer. Ah bah oui, vous ne l'avez pas écouté, hein, voilà, ça vous apprendra. L'homme de dos, oui, si, je sais que vous en souvenez, j'ai quand même pas mal insisté. Bon, on va aller le chercher, cet homme de dos. Alors pourquoi est-ce que je vais m'occuper de lui? Eh bien parce qu'il protège une porte, et il possède le pass de cette porte, qui me mène vers le secret, tout simplement. Et je me suis facilité la tâche en ne refermant pas une porte qui me conduit directement à lui. Si je l'avais refermée, il aurait fallu que je repasse par une canalisation faite de circuits imprimés qu'on avait vu tout à l'heure et que je remonte à nouveau vers l'homme. Donc c'est un peu plus compliqué de faire ça, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu me raccourcir le chemin. Au passage, oui, c'est l'ouverture d'ici que je vais rejoindre. Allez, passer par le mauvais chemin. Si jamais vous arrivez au bout là et que la porte est fermée, eh bien vous revenez en arrière, vous remontez en haut du bassin et vous allez vous débrouiller avec l'interrupteur de la porte. Ici je vais faire une sauvegarde parce que c'est là que le danger commence, ce sera ma deuxième sauvegarde de ce niveau. Le danger est très présent ici. Voilà. Je vais sortir mes pistolets, ça y est, ils vont me servir pour tuer mon ennemi là-bas en face. Alors on attend qu'il passe, on va le tuer à distance pour ne pas être blessé.
Où est-il? Il devrait faire un aller, voilà. Et un retour. Le problème, c'est que parfois, il se retrouve bloqué à courir en rond, à tourner en rond sans que nous puissions le viser. J'espère que ça ne va pas arriver. Là, il va repasser. Normalement, il est assez stupide pour se dire, bah, tiens, il y avait quelqu'un qui tirait sur moi, mais je repasse devant. Non, il ne repasse pas. Donc, ça veut dire qu'il court. Il n'est pas si stupide cette fois-ci. Bon, ça lui arrive quand même. Est-ce que j'arrive à le voir? Ah ouais, il est là-bas. Aïe. Je ne veux pas perdre toute cette énergie, donc je vais recommencer. Autant pour moi, hein. Je suis obligé de recommencer. À tout de suite. Allez, je suis reparti au combat. En restant dans l'eau comme je le fais là, normalement, on peut avoir cet homme. Va-t-il tourner en rond? J'ai l'impression, hein. Toujours. Bah écoutez, prenons vraiment des risques pour le coup, hein. On n'a pas trop le choix maintenant. Est-ce qu'il décide de tourner en rond? Quand j'ai préparé le jeu, il ne tournait pas en rond. Voilà, là il tourne en rond, décidément, hein. Je crois qu'il n'a rien à donner, celui-là. Non, non, il n'y a rien avec lui. C'est parfait pour moi. Alors, pas la peine d'aller derrière nous, hein, on va continuer dans cette salle et retrouver l'homme de dos. Vous vous souvenez donc, hein, l'homme de dos. Il est là-haut, première échelle, hein, pas la seconde. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'occupe de lui. Évidemment, alors celui-là, je l'inviterai certainement pas dans le manoir de Lara. Hein, certainement pas. C'est par là, Lara, voilà. Je vais récupérer le secret numéro 2, donc hein, ça c'est un petit secret tactique. Car si vous ne revenez pas en arrière avec vos flingues, bah vous ne penserez pas à éliminer cet homme et vous n'obtiendrez pas le secret. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir de ne pas revenir en arrière, de ne pas tuer les différents militaires croisés, de ne pas tuer non plus les prisonniers, il y en a qui le font, hein, pour avoir vraiment tous les kills. Bon, c'est faisable. C'est pas forcément ce que je recommanderais de faire. Et là, je crois qu'il est bien mort. Et il nous donne, regardez, un pass de sécurité, une carte de sécurité, devrais-je dire, et des grenades. Et c'est, comment dire, un petit signal qui nous donne l'indice de ce que nous allons ramasser maintenant. J'ai tué le suspense, tant pis. Bah oui, avec ce pass de sécurité, nous allons pouvoir atteindre le lance-grenade. Arme que j'utilise très peu, je crois que je ne suis pas le seul parce qu'elle ne permet pas de viser très bien. Mais bon, au moins l'avons-nous, c'est déjà ça, on a récupéré ça. On ne récupère pas, je vous le répète encore une fois, les munitions déjà récoltées dans les niveaux précédents. Pourquoi est-ce que je fais demi-tour? On ne les récupérera pas du tout. Et là, eh bien, on va plonger pour revenir là où nous étions, hein, directement. Pour la suite de l'aventure. Alors ici, d'autres dangers nous attendent, vous allez le constater. Je vais donc faire une dernière sauvegarde pour être sûr de pouvoir terminer dans de bonnes conditions le jeu. Je ne voudrais pas avoir à me retaper tous ces circuits. Voilà pourquoi j'utilise mes 3 cristaux. Enfin, et j'espère que ça ne vous contrariera pas, j'ai réfléchi à ce qui concerne le dernier niveau de Tomb Raider. Enfin, l'avant-dernier niveau, celui où nous allons... comment s'appelle-t-il? La cité perdue de Tinos, voilà. Dans ce dernier, cet avant-dernier niveau de Tomb Raider, numéro 3, je crois que j'utiliserai le plus souvent possible des cristaux, hein, et je ne respecterai pas le coût des 3 cristaux. Ça sera trop difficile, je pense. Bon, on verra, hein, on n'y est pas encore. Si ça se trouve, je m'en sortirai mieux que ce que je crois. Il y a le passage dans l'eau que je redoute. Ah oui, je redoute vraiment ce passage dans l'eau à chaque fois. C'est peut-être ce qui me donne le moins envie de refaire ce Tomb Raider, et pourtant, je l'aime plus que tout. Mais la cité perdue Tinos, qui est magnifique à visiter, est quand même complexe à traverser. Bon. Histoire d'être dans de bonnes conditions, ici, je vais donc faire une sauvegarde avec ce cristal, la troisième. Puisqu'on va avoir énormément d'ennemis, j'ai décidé d'ailleurs de les affronter tous. Je n'irai pas détruire les tourelles pour me garder des munitions de Desert Eagle. Mais je veux tuer les prisonniers... Pas les prisonniers. Je veux tuer les militaires. Dont celui-ci qui va arriver.
qui n'arrive pas. Ah, où est-il passé ? Idiot. Alors, cachez-vous derrière ces trucs anguleux, là. Accroupis, comme ça, ils ne peuvent pas vous cibler. C'est ça qui est bien, hein, vous vous protégez. Alors, normalement, on devrait en attirer d'autres. L'homme a dû aller donner l'alerte. Parce qu'il y avait deux autres ennemis là-haut. S'ils nous ont vus, ils vont donner l'alerte. Oui, voilà. On peut faire beaucoup mieux, hein, vous êtes d'accord avec moi. Bon, à tout de suite. Voilà, on repart à l'attaque. Lara, à l'attaque. Alors, on va essayer d'attirer cet homme vers nous. Puisqu'il ne vient pas. Voilà, je le fais venir. Et je me cache. Lui aussi, d'ailleurs. Hein. J'adore ça. Et d'autres hommes nous ont sans doute aperçus. Et sont partis là-bas pour prévenir leurs potes. Si par bonheur vous avez réussi à éliminer les trois premiers militaires avant qu'ils ne donnent l'alerte, eh bien vous n'aurez pas besoin de combattre les autres qui sont en train d'arriver. Sont en train de me démolir, hein, littéralement. On va se protéger comme ça, c'est très bien comme ça. Ah ben il est mort celui que je tue là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je le disais, hein, si vous avez la bonne idée de... Ah voilà, je ramasse ici un pass jaune, un pass bleu, je crois qu'il est bleu celui-là, et des grenades qui vous sont livrées en plus. Je regarde si c'est bien le pass bleu. Oui, c'est le pass de sécurité bleu. Donc voilà, si vous avez tué les trois premiers, je répète, hein, j'explique. Si vous avez tué les trois premiers ennemis, tout de suite avant qu'ils aillent donner l'alerte, il n'y aura pas toute cette cohorte qui arrive ensuite, ce qui est quand même un sérieux avantage, mais ça vous fera des kills en moins, évidemment. Là, normalement, on aura aussi un berger allemand, je ne le vois pas. A-t-il décidé de ne pas venir aujourd'hui? Je ne sais pas. Ah ben voilà, évidemment, quand on l'attendait le moins... Saleté de chien, voilà. Le berger, il est plus. Il m'a bien blessé, donc ça va être difficile de terminer correctement ce niveau. On va essayer, hein. J'aime les enjeux de ce genre, évidemment. Alors, là-haut, on peut rejoindre un local de sécurité, mais pour le rejoindre, eh bien, on va passer par là. Étape nécessaire si on désire poursuivre. Alors, une première illusion ici, que je vais vous montrer. Là, il n'y a rien à faire, hein, le local de sécurité est un peu plus loin. Voilà où se place le pass de sécurité bleu. Première illusion, disais-je, après avoir tué ce militaire, il n'a qu'une matraque, lui, voilà. C'est une matraque, donc on ne risque pas autant qu'avec l'autre. Est-ce qu'il donne quelque chose? Non, même pas. Eh ben... Regardez ici, j'appuie sur ce bouton, le portail s'ouvre à l'extérieur et on se dit on va pouvoir fuir. Bah pas du tout. Et puis l'intention de Lara, ça n'est pas de revenir dans le désert, non non, c'est d'aller dans la zone 51. Regardez ce qu'elle va faire. Là elle a activé ce tapis roulant, elle a aussi fait venir cet homme, vous n'êtes pas obligé de le faire venir, moi je tiens à l'éliminer lui aussi, avec son chien. Et ça va me compliquer quand même sérieusement la tâche. Il est mort le chien. Pas le monsieur. Mais ça y est, le voilà mort. Je crois que lui par contre nous remet quelque chose. Non, toujours pas. Faites voir, je lève la tête au ciel, il disparaît. C'est un effet magique de Lara. Lève la tête au ciel, les ennemis disparaissent. Bon, bah, pas de cadeau en plus, donc même après avoir tué cet homme.
mais des blessures supplémentaires. Bon, on a encore des ennemis pourtant à combattre. C'est là que ça devient compliqué. Et vous apercevez là-bas, près de ce portail, un système, un réceptacle pour passe de sécurité. Il me manque le passe. Heureusement, cette caisse a été amenée ici par le tapis roulant. Et elle est bien placée puisqu'elle me permet d'atteindre cette échelle qui était trop élevée jusque-là. Maintenant que j'atteins cette zone, je peux me suspendre aux grilles ici pour aller chercher le cristal là-bas, mais c'est pas tout, il y a plein de choses à récupérer ici. Il y a aussi cette personne là-haut, hein, ce militaire en furie. Qu'est-ce que c'est que cette bonne femme là qui est en train de mettre le bazar dans notre base? Jusqu'ici, on arrivait à s'en sortir et il a fallu qu'elle arrive et voilà, c'est le désordre complet. Ah bah oui monsieur, hein, c'est Lara Croft. Et là où Lara passe, les ennemis trépassent. Alors bon, nous avons récupéré une petite trousse de secours. Je veux aussi le cristal. Donc pour m'en emparer, je vais faire attention à éviter évidemment ce mécanisme. Mais c'est très facile de l'éviter, il n'y a rien à craindre. Il ne vous touche pas ici. Hein. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont mis ce piège. Et nous allons aller nous occuper du monsieur là-haut. Alors pour m'en occuper, j'ai pris le parti de lui tirer dessus depuis là en bas pour éviter les blessures. Soyons patients. Faut pas qu'il me touche lui par contre. On ne voit rien, c'est dommage. Est-il mort? Je vais m'en assurer quand même. Si ça se trouve, il est déjà mort. Là, elle n'y arrive pas, Lara. Je vais monter de ce côté-ci. Ah, il est mort, oui, ça y est. Je tirais dans du vide, mes amis. Attention, au milieu de cette salle, il y a un faisceau laser. L'homme, en mourant, a perdu ce passe. Bon, je le récupère. Bah oui, on est comme ça. Et je retraverse le faisceau en faisant bien attention de ne pas me tuer en le traversant, surtout avec le peu d'énergie qui me reste. Voilà, maintenant, je vais redescendre par ici. Je crois qu'on peut tomber sans se blesser. Vu ce que j'ai comme énergie, je vais passer par le chemin le plus sûr. Ah mais remarquez, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Donc on va passer par le plafond, voilà. On va perdre encore un peu de temps. Parce que si je me laisse tomber d'ici, je crois que je perds de l'énergie. Ce n'est pas mon intention. Voilà, nous revenons gentiment. Et direction la fin de ce niveau. Ah oui, et on va tomber là plutôt. Je ne veux pas tuer notre ami. Non, non, il nous a aidés, ce serait dommage. Hein. Récompensons-le en lui laissant la vie sauve. Le passe de sécurité jaune, oui. Ah là là, ce fut long, hein. Cette vidéo est longue, trop longue. Je suis fatigué. Et nous sommes dans l'aile X. Pourquoi X? Est-ce qu'on y fait des choses bizarres? Un ennemi va se cacher, nous aussi d'ailleurs on va se cacher. Ah, regardez-le, malfrat. Je tire dans le vide moi. Hein. Lui non plus ne nous donne rien, on va lever la tête au ciel, hop. Il a disparu, non il ne donne rien. Hein. Pff, avare. On va laisser le prisonnier nous aider peut-être aussi, tiens, c'est l'occasion là. Puisqu'on va attirer encore un ennemi ici, dès qu'on va rentrer dans le hangar. Oula, il me reste rien. Je pense que je vais laisser le prisonnier s'en charger. Ce serait bien. Si le prisonnier ne survit pas, je vais devoir avoir affaire au bonhomme. Ah, je crois que... Non, c'est pas fini apparemment. Qui est-ce qui est mort là? C'est le prisonnier, mince. Aïe aïe aïe. Ah ben, victoire. Je suis assez content de moi. Avec la barre d'énergie à zéro. Il a la moindre blessure et la rameur. Bon, dans cette zone où nous arrivons, ce hangar, il ne faut pas aller directement au dos du camion qui va être rempli ici, qui est en train d'être chargé.
Non, 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 surtout pas. Montez d'abord sur les caisses. Il y a quelques objets à récupérer et vu à quel point nous sommes défavorisés du fait du choix du Nevada comme dernier niveau, je préfère récupérer les objets cachés ici. Alors, je ne les ai pas vus, je les décris parce que j'ai la solution sous les yeux pour m'aider. Ce sont des Desert Eagle et... Enfin, des munitions Desert Eagle et une petite trousse de secours. Nous avons aussi, là derrière, des munitions Uzi et des grenades. Sachez que j'ai oublié un objet dans le niveau précédent, un ou deux, j'ai un doute, un seul je crois. Et je vous ai mis une annotation sur YouTube donc pour pouvoir la retrouver. Enfin, pour pouvoir retrouver l'objet. Donc il s'agit de munitions Uzi, je crois. Hein. Merci d'ailleurs à celui qui me l'a gentiment fait remarquer. Son nom m'échappe, mais j'ai en mémoire qu'il m'a rendu bien service. Allez, cinématique. Voilà, ça y est pour ce niveau qui s'achève. Le quartier haute sécurité, donc on a vu que Lara pouvait très bien s'en sortir toute seule, même sans ses flingues. Bon, à la fin, il fallait quand même les obtenir pour terminer. Les deux secrets sont à nous. Il y a au total dans ce niveau, je regarde mes chiffres, 16 ennemis, donc 16 victimes que l'on peut tuer, si on ne compte pas les prisonniers. Hein. Je parle des tourelles, je n'ai pas éliminé les tourelles. Je n'ai pas eu le courage d'utiliser les trousses de soins, vous me connaissez, je ne veux pas les utiliser, je veux les garder pour moi. Allez, on se dit à très vite, cette vidéo n'a que trop duré, salut et merci.